Ce soir, on peut parler de quelque chose de différent. Et cette chose différente, c'est une façon de percevoir la vie d'une autre manière. Pas à la manière traditionnelle qu'on nous a montrée. La manière traditionnelle, c'est tu vas travailler, tu as un bon boulot, si tu as un bon boulot, tu as une belle voiture, si tu as une belle voiture, tu as une belle maison et tu seras heureux. Ça, c'est la façon traditionnelle. Okay. Maintenant, on va questionner ça. On va questionner parce que ça, c'est certainement le fondement de chacun, de toutes nos vies. Parce qu'on nous a martelé ça depuis tout jeune. On nous a dit, c'est comme ça, il faut aller à l'église, il y a un Dieu qui viendra te sauver. Tu vois, si tu travailles bien, ben, tu auras la possibilité d'avoir quelque chose de bien. Tu vois? Donc on est vraiment formaté là-dedans. Et ça, je pense que pour une société comme celle-là, on a fait ça depuis combien de temps? Hier? Depuis des millions d'années, on fait ça. On a toujours fait ça. Et notre problème, c'est que depuis le temps qu'on fait ça, eh bien, il y a des schémas de pensée, tu sais, qui se sont installés. Et ces schémas-là, c'est nos réactions. On les répète. On les répète sans même savoir qu'on les répète. C'est devenu une habitude, un train-train, et on ne s'aperçoit même plus ce qu'on fait. Parce qu'on fait des choses, des fois, qu'on ne veut pas, mais on fait quand même, parce que c'est l'habitude. Et toutes ces choses qu'on fait, là, justement, ça fait que le monde se fabrique avec tous les fers qu'on a, toutes les façons dont on a de réagir. Eh bien, ça fabrique le monde autour de nous. Nos relations ensemble, c'est la réaction de nous tous. Et cette relation fait la société. Donc, la société, c'est pas là-bas. La société, c'est nous. C'est nous qui avons fait la société. La société, c'est pas la société qui nous a fait. C'est nous qui avons fait la société. Et la société existe parce qu'il y a une réaction à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et cette réaction a fabriqué quelque chose. Et cette fabrication, on dit, ah, ça c'est plus vilain, mais il n'y a pas ça moi. Pas moi ça. Voilà. Donc, on a tendance à accuser ce qui se passe à l'extérieur de nous. Mais quand on fait ça, on est peut-être, tu vas peut-être dire que c'est, tu peux réfléchir, mais on est certainement là en contradiction avec nous-mêmes. Donc, l'homme, par définition, on est en contradiction avec soi-même. Tout le temps. On est toujours en contradiction avec soi-même. On aime aujourd'hui, demain on n'aime plus. On fait ça aujourd'hui, mais demain on ne fait plus. On dit qu'on va faire ça, mais après on ne fait pas. Parce qu'on est en contradiction tout le temps. On trouve un désir, et puis tout de suite après on trouve un autre désir, c'est encore mieux, ben, on arrête ce désir-là, on va vers l'autre. On est tout le temps en contradiction avec nous-mêmes. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Parce que moi, à mon avis, c'est plausible. On peut tous comprendre ça. Qu'on est, on n'est pas clair dans notre tête. On n'a pas qu'une ligne droite. La ligne, elle est tortueuse comme ça et on ne sait même pas où ça va. Donc, c'est pour ça d'avoir cette perception sur quoi se baser. C'est quoi cette perception-là? Parce qu'on a une perception qui nous fait faire des choses qu'on ne veut pas. Donc, cette perception, ça veut dire. Et d'où elle vient cette perception-là? C'est parce que dans notre vie, on a appris. Depuis qu'on est petit, on apprend. On accumule des histoires, des connaissances. C'est-à-dire que quand tu es petit, on t'apprend, ben ça c'est ta maman. Tu as habité dans cette maison-là et tu sais faire du vélo, on t'a appris à faire du vélo. Donc tout ça, tu mémorises et ça devient ce que tu connais. Je deviens important là, parce que je connais plein de choses de plus en plus. Donc tu accumules beaucoup de connaissances. Et non seulement la connaissance que tu accumules depuis tes expériences à toi, mais aussi la connaissance que tu as acquérie de l'histoire de l'humanité. Parce que l'histoire de l'humanité est aussi le résultat de ce que nous sommes. Au fond, la perception que nous avons,
c'est le résultat de l'homme aujourd'hui. Depuis des millions d'années, l'homme a fait des choses, a fait des expériences, et il l'a repassé à ses générations suivantes. Et aujourd'hui, nous sommes le résultat de ça. Donc, notre perception, c'est une perception passée. Elle n'est pas là. Elle est toujours passée. Elle n'existe pas dans l'instant présent. Parce que ce que tu es, c'est justement toute cette connaissance qui se profile du passé. Elle vient dans le présent. On la concocte un peu, on arrange un peu, et puis on la projette. Donc, on fait passer le temps. Le temps de moi qui était là-bas, je passe à travers le présent, et puis je m'expatrie dans le futur pour devenir quelqu'un. Tu vois ? C'est ça notre société nous a enseigné, nos aïeux nous ont enseigné, et c'est devenu comme un matraquage dans notre tête. Hein, et on a cette façon de vivre qui fait partie de ce temps. Et dans ce temps-là, il y a toujours une crainte que demain, je n'aurai pas ce que je veux. Tu vois ? Donc on vit constamment aussi dans la crainte que demain, il y aura un problème. Mais maintenant, allons voir quelle est cette autre perception qu'on peut avoir. Est-ce qu'il y a une autre façon de regarder la vie? Ou bien c'est comme ça, et puis on est voué avec ça? Ou bien est-ce qu'il y a une façon où l'esprit peut se libérer de tout ça? Est-ce qu'il y a une façon? Parce que s'il n'y a pas, on est foutu. On va à la catastrophe. Et on disait tout à l'heure, hein, la catastrophe est déjà commencée. C'est comme ça, ça se profile. On a des guerres, des gens qui meurent de faim, des batailles de toutes sortes, des souffrances pas possibles. Mais je dis de la souffrance. Des familles qui souffrent parce que, je sais pas, leur garçon prend de la drogue, ou bien il a fait un crime. Il y a des souffrances pas possibles. La mère qui perd son enfant en Syrie là-bas. Donc, est-ce qu'il y a une autre façon de vivre? Ou est-ce que nous sommes voués à ça? Ça a toujours été la question de l'homme, de savoir si c'est ça la vie. Parce que ça, si on vit ça et on dit c'est ça la vie, la perspective n'est pas tellement enthousiasmante. On va nulle part avec ça. On va à la destruction. Alors à savoir que, comme je disais tout à l'heure, le mouvement du passé, c'est ce qu'on est. On passe dans le présent et on va vers le futur. Ce qu'on appelle moi, c'est justement tout ce paquet de mémoires qui a été accumulé depuis des millions d'années et qui se représente en moi. Donc, est-ce que moi existe? Moi, il existe seulement en mémoire. C'est une mémoire qui traverse le temps et qu'on a construit. On a dit, moi je suis telle personne. Moi je suis monsieur le maire, moi je suis le jardinier du monsieur le maire. Moi je suis la femme, toi tu es le mari. Moi je suis important, toi tu es moins important que moi. Donc est-ce que toute cette activité-là de moi, ça existe pour de vrai? Ou bien est-ce que c'est quelque chose qu'on a inventé et qui n'est pas vrai? Et qu'on s'appuie dessus pour exister? Parce que si on existe comme ça, avec une mémoire, peut-être qu'on peut se demander, qui suis-je alors? Si je ne suis pas un paquet de mémoires depuis mon enfance que j'ai répété, et j'en vois dans le futur, qui suis-je? Si je ne suis pas tout ça. Et comment savoir qu'est-ce qu'il y a au-delà de toute cette mémoire? Comment? Parce que cette mémoire, vous savez comment elle se représente, cette mémoire, toute cette mémoire de l'humanité en nous? Chacun de nous, on détient cette mémoire qui n'est pas la vôtre ni la mienne, c'est la mémoire de l'humanité et on puise tous dedans pour fabriquer moi. Donc moi existe
par rapport à tout ce qui a été fait avant. Et je me suis construit comme ça. Oui. L'être humain s'est construit comme ça depuis tout petit. Il s'est construit en disant, ben voilà, je vais faire ça, je vais aller à l'école, je vais apprendre bien, j'aurai une belle voiture, je serai très, très bien dans ma vie. Et puis en fait, on fait tout ça, mais il nous manque toujours quelque chose. On est vide, on n'a rien, tu vois. Donc cette perception de la vie, là, ce que tu entreprends, elle est fausse. Donc, est-ce qu'il y a une autre perception qui peut exister en dehors de toutes les pensées que tu as? Parce que la pensée que tu as, c'est justement, c'est le résultat de la mémoire. Le résultat de tout ce que tu as vécu. C'est le passé qui est dans ta tête et qui se réitère. Donc tu agis avec les pensées qui se réitèrent. Tu réagis aux événements qui se passent avec la pensée que tu as eue hier. Tu dis, hier, tu as mis le doigt dans la confiture, et tu dis, oh c'est bon. Eh bien, demain matin, tu regardes la peau de confiture, et tu dis, ben, je vais reprendre. Donc tu répètes, parce que la mémoire t'a dit ce qui est bon. Et donc toi, ce que tu es, ce n'est que un paquet de répétitions de cette mémoire. Mais avec cette perception-là, eh bien, on va toujours répéter la même chose. On aura des train-train, des façons de vivre qui se répéteront tout le temps.